Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un nouveau son, un nouveau contenu de la part de Miedia. 1 plus 1 éléphant, j'imagine que c'est en rapport avec ce soir et cette fameuse CAN et ce fameux match. C'est Sénégal-Côte d'Ivoire qui va être bouillant, poteau, ça va être incroyable. Et voilà, force à eux, j'espère qu'ils feront un beau match, j'espère qu'ils feront le travail et qui nous décevront pas, tout simplement, comme toutes les équipes que je supporte. Voilà, j'ai pas de préférence, tout ça, mais voilà, en tout cas, je souhaite surtout qu'il y ait un bon match, qu'il n'y ait pas d'humiliation, qu'il n'y ait pas de trucs chelous, tout ça, que voilà, que les deux équipes fassent un gros match et qui donnent du plaisir, tu vois, aux spectateurs. Et voilà, c'est surtout ça qu'on veut. Et le reste, et bah, le sort en décidera. Celui qui sera meilleur sera récompensé. Un Alors. plus un, plus un, plus deux, fois trois, un, plus quatre, un, plus un, plus un, plus deux, C'est fois le trois, délire. un, ça compte pas. Il n'a pas voulu jouer, ballon nous on s'est accueilli. On a supporté les forcément qui nous ont qualifiés. On a juste dit de mouiller le maillot. Et là, il a rendu, il a fait preuve de respect pour le Maroc, hein. Bravo à lui, hein. Magnifique son flow. Oh, à ma piano. Oh. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Il nous a sorti un gros gros son. Et fait un vrai débrief, hein. Vrai débrief. Le son est giga lourd, giga lourd. Il y a une ambiance qui regroupe plusieurs genres. Un genre de afrobeat, sama piano. Même surtout à ma piano, j'ai l'impression. Et là, du flow, hein, franchement. Oh, hey, je te jure. Et hey, faut lui dire, faut envoyer le son officiel avec 2 minutes de plus, moto. C'est déjà fini, wesh. Non, le son, il est bon en plus. Ils n'ont même pas touché photo là. C'est vrai qu'on est supporter Mazo, mais où vous allez là? On n'a pas cardio des sorts. Oh là là, franchement, hey, c'est dingue. Ce gars-là, c'est un hitmaker. Je pense que dans les années qui vont arriver, là, ça va être une giga grosse tête dans ce game-là, qui va faire des feats à droite, à gauche, avec des gros poids. Qui va lui-même également, évidemment, devenir un gros poids. Et il a tellement de sauce, il a tellement de flow, de style. Il a vraiment ce côté-là qu'on recherchait depuis longtemps et qu'on a peut-être trouvé avec lui, ce côté un peu l'ambiance, les vibes, le flow, le style, cette atmosphère vraiment où il arrive à s'adapter à plusieurs genres, en même temps plusieurs mouvements et ramener un délire à chaque fois. C'est vrai que là, franchement, je suis déçu parce que j'aurais voulu avoir 2 minutes de plus. Même tu mets le refrain deux fois, tu fais des pré-refrains, je sais pas quoi, tu blindes un peu le truc pour qu'on ait cette vibe-là du flow de ouf là. Et voilà, en tout cas, beau son, hein, beau contenu pour soutenir l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il a fait un petit remerciement quand même aux Marocains. C'est bien. En tout cas, force à la Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils feront un gros match, qu'ils feront vraiment ce qu'attendent les supporters de la Côte d'Ivoire. J'ai vu comment ils étaient déçus de fou. Tu voyais les réactions à droite, à gauche. C'était un carnage. J'espère juste que les éléphants vont montrer en plus chez eux quand même, tu vois. Et voilà, franchement, j'espère au moins qu'ils vont faire un beau parcours, tu vois. Et qu'ils fassent le... Qu'ils fassent ce qu'on leur demande, tu vois. Après, c'est pas évident quand t'es sur le terrain, t'as la pression, t'as ça. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses, des entraîneurs à droite, à gauche, je sais pas quoi. On n'est pas vécu, en tout cas, tout ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir un gros match. Qu'on ressort de ce match vraiment avec. Voilà, la Côte d'Ivoire a fait un gros match, le Sénégal a fait un gros match. Voilà, il n'y a pas de. Ils nous ont. Le match a été vendu, je sais pas quoi, tu vois, les délires là. Donc, franchement.
On attend ça, j'ai hâte de voir ça, j'attends ce match parce que franchement, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ont fait beaucoup aussi sur la chaîne, comme d'autres pays. Et voilà, je soutiens ces deux équipes, donc difficile pour moi de choisir. Mais voilà, force à la Côte d'Ivoire, ils sont chez eux, ils font du gros travail et j'apprécie beaucoup leur communauté, tout ce qu'ils m'ont donné. Donc je peux que avoir du respect et de l'admiration pour ce peuple et cette communauté. Donc voilà, force à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui nous suivent. Comme d'habitude, force pour ce soir, j'espère qu'il y aura un gros gros match et qu'il y aura les efforts qui seront faits et voilà tout simplement donc on soutient toutes les équipes Afrique francophone que j'ai défendues sur la chaîne. Il n'y a pas une équipe, il y a toutes les équipes, c'est tout, on est tous dans le même panier. Donc voilà, force à vous et gros son de Medja, grosse force à lui parce que ce gars-là va nous impressionner. Il est qu'au début là, il est qu'au début, en train de faire ses petits trucs à droite à gauche, il balance ses petits sons comme ça. Lui, ce son-là, je te jure, il aurait dû sortir ça en son officiel avec 2 minutes de plus, avec un autre thème peut-être. Parce que la vibe qu'il a pris, le flow et tout, c'était gigantesque. Mais tu vois, ça veut dire que probablement il a du matos sur le capot, poteau. Hein. Donc voilà, en tout cas, gros son. Un beau, beau, beau son pour soutenir l'équipe. Et franchement, les éléphants vont bien apprécier. Et on verra, peut-être qu'il y en aura d'autres avant le match de ce soir. Donc voilà, on se dit à la prochaine et ciao, ciao.